Imaginez 40 minutes de conversation motivante et inspirante. C'est le voyage que je vous propose au travers de cette émission Les Boss Ladies. Eh bien, je recevrai des jeunes femmes venant de tout horizon dans mon fauteuil rouge. Et nous nous retrouverons une fois par mois avec les Boss Ladies pour pouvoir vous apporter de la motivation, pour pouvoir vous construire, vous bâtir et faire de vous des femmes de foi, des femmes de succès, des Boss Ladies en somme. À très vite. Vous l'avez certainement vu sur BFM TV, CNews, Forbes Magazine. Mon invitée du jour s'appelle Aurélie Alama. Elle est conférencière, business mentor, investisseur. Elle est coach. Elle est beaucoup de choses. Elle est remplie de dons et de talents. Elle est aussi remplie du Saint-Esprit. Mesdames, bienvenue dans votre émission Les Boss Ladies Show. Je suis le pasteur Grâce et nous sommes sur Évangile TV. Les Boss Ladies Show. Aurélie, bienvenue sur ce plateau, les Boss Ladies. Je suis vraiment honorée de te recevoir ici. Merci, Pasteur Grâce, de ton invitation. Hein. Mais avec grand plaisir. Quand on rencontre une femme comme toi, remplie, tu as tellement de casquettes, vraiment, on ne peut que se dire c'est une Boss Lady, il faut l'inviter chez les Boss Ladies. Bah, c'est la grâce de Dieu. Hein. Comme je dis toujours, c'est la grâce de Dieu. Sans lui, je suis rien. C'est amen. Waouh, incroyable. C'est news. BFM TV, Forbes Magazine. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'oublie? Oh, c'est déjà bien. C'est franchement déjà bien. C'est franchement déjà bien. Merci en tout cas. J'ai envie de dire d'éclairer le monde avec la lumière que Dieu a mis en toi. Et justement, on va parler un petit peu de lumière parce que lorsque je fais ta connaissance, je découvre d'abord une plateforme que tu as créée qui est sur Instagram qui s'appelle Femme Libère Ton Potentiel. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que c'est Femme Libère Ton Potentiel? Alors, Femme Libère Ton Potentiel, c'est une plateforme que j'ai créée en 2017. Mmh. Suite à, comme je dis, un accident de parcours que j'ai eu sur l'entrepreneuriat, je me suis rendu compte que les femmes étaient mal encadrées dans l'entrepreneuriat, mais elles n'osaient pas aussi entreprendre. Il y avait beaucoup de femmes qui avaient des projets entrepreneuriaux, mais qui n'osaient pas. Wow. Et sur le chemin, je vais dire, du déploiement de cette plateforme, j'ai constaté que les femmes manquaient énormément d'assurance, de confiance en elles, d'estime d'elles, et du coup ne laissaient pas sortir ce qu'elles avaient en elles. Wow. À cause de toutes ces blessures-là. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et cette plateforme aide les femmes à sortir ce qu'elles ont en elles, leurs dons, leurs talents. Ce n'est pas que dans l'entrepreneuriat, parce qu'il y a des femmes qui veulent avoir un nouveau boulot, monter en échelon, devenir numéro 2 de leur boîte, etc., etc. Le but, c'est vraiment d'aider la femme à identifier son potentiel. Très bien. Et à l'exprimer dans le couloir où Dieu l'attend. Où Dieu l'attend. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Et justement, ma question là, c'est quel a été ton déclic? Parce que tu dis que toi aussi, tu as eu un accident de parcours. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet accident qui t'a finalement poussé à autre chose, en fait, et à faire peut-être plus grand que ce qui était prévu? Alors, pour répondre à ta question, c'est vrai que moi, j'ai un parcours universitaire. J'ai un diplôme pour être chercheur en biothérapie. Wow. Voilà, j'ai fait fac de médecine et j'ai un diplôme pour être chercheur en biothérapie génique et moléculaire. Mmh. Et à un moment de ma vie, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait. C'est comme ne pas être au bon endroit. Alors,
C'est vrai que ma tête m'avait permis de faire de grandes études, mais c'est comme si mon cœur n'était pas là et il y avait quelque chose qui clochait. Et je me souviens, c'est lors d'un séminaire à l'église, c'était un pasteur qui était venu de Londres et il avait commencé à parler de la destinée et de la mission de vie. Et je disais, mais Seigneur, j'ai l'impression de ne pas être dans ma mission de vie. Et j'ai semé, j'ai fait une offrande, j'ai dit, Seigneur, je m'attends à toi, en fait, sur cette offrande. Amen. Et c'est là où Dieu a commencé à me parler, par sa parole, par des personnes que j'ai rencontrées, et aussi par des songes. Wow. Et c'est là où j'ai monté ma première société. Et cette première société-là, dedans, je me suis rendu compte qu'il y avait ce problème entrepreneurial féminin où maintenant, Femme Libère Ton Potentiel est née. Waouh. Et puis de là, tu as développé plusieurs casquettes. Je veux dire, conférencière, motivatrice, business mentor, investisseur en plus. Mais enfin, comment tu fais pour gérer toutes ces casquettes? Alors, comment je fais? Déjà, je vais dire, sans prétention aucune, c'est vraiment une sagesse que l'Esprit me donne, le Saint-Esprit me donne. Parce que je crois que sans la sagesse, on ne peut pas faire quelque chose de durable et on sera au mauvais endroit. Moi, tout ce que je fais, c'est parce que je l'ai reçu d'abord dans le lieu secret. Je ne me lève pas, je ne me dis pas, tiens, je vais investir là, si Dieu ne m'a pas confirmé dans mon cœur qu'il faut le faire. Donc déjà, je ne m'appuie pas sur mes propres forces. Je m'appuie vraiment sur l'Esprit. S'il me dit de le faire, j'ai confiance en lui pour me donner les capacités de le faire et de bien le gérer. C'est puissant. S'il me dit de le faire, j'ai confiance en lui. My God, c'est vraiment puissant parce que très souvent, on a l'impression que quand on est dans les affaires, c'est juste notre intelligence, notre tête ou les opportunités qui comptent. Mais la confiance en Dieu est quand même une base fondamentale pour ce qu'on veut bâtir, en fait. Mais clairement, moi, je dis toujours aux femmes qui viennent à moi et qui sont des femmes chrétiennes, je leur dis toujours, un entrepreneur chrétien n'entreprend pas comme un entrepreneur lambda. Thank you. C'est pas possible. Yes. C'est pas possible. Parce que ce que j'ai compris, c'est que moi, je ne suis que la gérante. Le CEO, c'est Jésus dans mon entreprise. Amen. C'est personne d'autre. Amen. C'est lui qui prend les décisions et moi, je gère et j'exécute. Amen. Donc, je ne me fais pas de soucis parce que le boss, le boss des boss, c'est lui. C'est lui qui signe. C'est lui qui dit. Mais oui, c'est le boss. Oh, wow. Pourquoi j'ai peur? Si le boss dit fait, j'exécute. My God. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez toi, c'est cette sensibilité que tu as au Saint-Esprit. Parce que j'ai déjà eu à échanger avec toi où tu me disais que voilà, tu pries en fait pour lorsque tu as certaines invitations, tu vas pas partout, tu demandes vraiment au Seigneur de te conduire. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, c'est vrai que si je peux me permettre de parler un peu de ma conversion, depuis que j'ai donné ma vie à Christ, à Jésus, j'avais fait un vœu. Je lui avais dit, je te donne ma vie, mais conduis-moi tous les jours de ma vie. Amen. Conduis-moi dans tous les choix que je dois faire, conduis-moi. Amen. Et quand, bien plus tard, j'ai découvert cet appel entrepreneurial, je lui ai dit, si j'y vais, notre alliance là, ça dure toujours, donc conduis-moi. Amen. Et je crois qu'aujourd'hui, le monde a besoin de voir ce que Dieu est capable de faire dans la vie d'un homme qui lui donne tout, parce qu'on dit « je te donne tout de moi ». Mais là, il faut vraiment tout donner, en fait. Il faut tout donner. Et moi, j'ai fait l'expérience, parce que je ne me suis pas levée, je ne suis pas parfaite. Je ne me suis pas levée en disant « ah, Saint-Esprit, je suis remplie, je fais ça ». Non, je me suis cassé le bec plusieurs fois. Ah oui. Et ça, il faut le dire, parce que souvent, on s'arrête simplement au success story, à la fois où ça a fonctionné. Mais parfois, derrière le succès, il y a souvent plusieurs échecs. Bien sûr. Et sans t'interrompre, comme tu disais tout à l'heure, c'est quoi ton secret? Ça, je l'ai acquis parce que au départ, je disais, Seigneur, je te donne tout, notre alliance là, ça dure encore. Sauf que je prenais des décisions, je signais des contrats, j'allais dans des choses où Dieu n'était pas là. Wow. Et je me disais, non, mais bon. Et il a fallu vraiment que j'ai un gros crash. Et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur me dit, mais tu ne m'as pas consulté pour certaines choses. Wow. Et en semant cette petite décision, tu es arrivé à quelque chose
qui t'amène à l'échec. Très bien, très bien. Tellement pertinent. Et ça veut dire que concrètement, dans ta base quotidienne, qu'est-ce que tu fais ? Avant de travailler, tu pries ? Avant de sortir de la maison, tu pries ? Avant de te lancer, par exemple, tu dois rencontrer un futur partenaire, peut-être, tu pries ? Quand une opportunité se présente, comment est-ce que tu fais tous les jours ? Après, moi, ce que je vais vraiment être transparente. Oui, bien sûr. Je ne vais pas à la montagne 40 jours tout le temps. Hein. C'est vraiment un style de vie. Un style de vie. C'est vraiment, quand on dit prix, il faut qu'on soit conscient que le Saint-Esprit, c'est une personne. Amen. C'est une personne. Mm-hmm. Donc, je lui parle comme une personne. Yes. Dis, voilà, ce matin, on va partir. Bon, si tu ne le sens pas, fais-le moi savoir d'une façon ou d'une autre. Mm-hmm. Et ça, c'est une prière. Mm-hmm. C'est pas... parce que je ne veux pas que les gens hyper spiritualisent, hyper religieux, ils se disent, ah ben Aurélie, elle se réveille tous les matins à 3h, elle prie jusqu'à 8h, 4h, etc. Non, c'est vraiment un style de vie, c'est vraiment être toujours conscient que le Saint-Esprit est là. Amen. Et qu'il peut m'envoyer des espèces de signes, comme ça, des signaux par... ça peut être des sentiments intérieurs, ça peut être par la parole que je vais lire le matin avant de partir. Et toujours être sensible à lui et toujours lui laisser la place. En fait. Amen. Lui dire, voilà, tu as toute la place ce matin, tu as toute la place, descends, fais ce que tu veux, ce que tu as prévu dans la journée. Waouh, amen, amen, vraiment voilà. Très précieux ce que tu dis. Et comment tu fais pour gérer ? Tu es chrétienne et puis te voilà dans tous ces jolis magazines, n'est-ce pas ? Comment tu fais pour gérer cette notoriété qui n'est pas simplement du coup tournée vers les chrétiens, mais tu es avec des personnes qui ne connaissent pas Christ, tu travailles régulièrement avec des personnes qui ne connaissent pas Christ. Comment gérer la notoriété et comment garder ses valeurs ? Alors, mes valeurs, elles sont jamais dissociées de moi parce que je suis la somme de mes valeurs. Yes. Donc, quand j'arrive en quelque part, tout de suite, ça se diffuse quand je suis là. On sait ce qu'on peut me dire, ce qu'on ne peut pas me dire, ce que j'accepte, ce que je n'accepte pas. Ah oui, parce que tu n'acceptes pas tout. Voilà, ben voilà. Donc, je ne suis jamais dissociée de mes valeurs. Les gens, ils savent qu'elle est chrétienne, ils savent que le dimanche matin, si tu m'invites, il va falloir décaler que j'arrive après le culte. Il y a des choses que c'est d'entrée. Très bien, voilà. On ne blague pas avec ça, guys. Très bien. C'est d'entrée. Après... moi, je prends toujours mon business comme une mission pour évangéliser les nations. Yes. Amen. Aujourd'hui, j'ai des membres de mon équipe qui étaient pas du tout à Christ et qui sont aujourd'hui à Christ, baptisés d'eau, baptisés de l'Esprit, etc. Ça, c'est un puissant témoignage que tu m'as déjà donné en off il y a quelques temps de cela. Je me suis juste dit, mince, mais quel challenge. Quand tu as commencé avec les membres de ton équipe, ces personnes n'étaient pas chrétiennes. Et aujourd'hui, elles sont chrétiennes. Elles continuent à travailler pour toi. Oui, avec et elles sont avec Christ. Ah, oui. My God. Si avec ça, elle n'est pas un témoignage vivant de l'impact, en fait. Tu as eu de l'impact dans leur vie. Oui, j'avais reçu une parole parce que, franchement, des fois, c'est pas simple de travailler avec des personnes qui ne voient pas les choses comme nous. Tu vois, ça peut être une décision et puis après tu dis, ah non, finalement on va pas faire ça, ou il y a un contrat qui vient et tout le monde te dit, mais il faut le signer, et tu dis, bah non, on va pas le signer parce que tu le reçois pas. Et des fois ça peut faire des tensions, parce que les gens vont se dire, mais pourquoi elle le fait pas ? Au fil du temps, je disais, mais Seigneur, je suis fatiguée, c'est pas possible, ils comprennent pas, ils ont pas le même esprit, etc. Et le Seigneur me parlait tout simplement du modèle parfait, en fait, de lui, Jésus. Mais les disciples, ils sont devenus disciples à force d'être avec le avec Christ. Avec le maître, waouh. C'est ça en fait, l'esprit qui était en lui a diffusé sur eux. Ils sont devenus des imitateurs de Christ, c'est ce qu'on a des chrétiens, imitateurs de Christ. Amen. Et le Seigneur me disait en fait, à force de te voir, l'esprit qui est en toi va diffuser sur eux. Mm-hmm. Donc prends patience, et quelqu'un a pris aussi la patience avec toi pour que tu deviennes ce que tu, c'est vrai. Ce que tu es. Donc il faut que tu sois patient. My God, my God. Et cette patience-là a permis, en fait, de facilement diffuser le message et finalement de qu'il soit transformé. Mais je crois que tu m'as dit aussi qu'avec ton équipe, voilà, avant de travailler, vous priez ensemble.
Oui, avant de voyager, on fait des sessions de prière, de jeûne. Bon, ça, c'était pas avant, ça n'a pas toujours été comme ça, parce que comme j'ai dit, il y avait certaines qui étaient chrétiennes, d'autres qui ne l'étaient pas. Et au fil du temps, l'avantage est à Jésus maintenant. Oh, wow. Donc, c'est vrai que je leur transmets ce que j'ai appris du Saint-Esprit, du Seigneur, c'est vraiment de ne jamais entreprendre sur ses propres forces. Amen. Parce que c'est une assurance. Hein. Mm. Lorsque je fais quelque chose que Dieu m'a dit de faire, s'il y a des turbulences, je dis « Ah, là, c'est toi qui m'envoyais, donc ça, moi, je me retire, gère. » Mais si c'est pas lui, je n'ai pas d'assurance. Wow. Donc, je leur apprends à prier. Quand on part, prier. Quand il y a un contrat. Et je veux aussi qu'ils deviennent des sentinelles pour moi. Parce qu'on ne sait pas tout. Amen. On ne voit pas tout. Il y a des choses... Naomi va voir, d'autres ça sera Kelly, d'autres ça sera Charlène. Et le fait de déployer leur appétence spirituelle, ça fait qu'elles deviennent aussi des sentinelles. Amen. Pour pouvoir avancer ensemble. Amen. Wow. Devenir des sentinelles, my God. Et justement, on va parler un petit peu de ce domaine, on va dire un peu mystique. C'est que, est-ce que dans ton travail, ou dans ton déploiement, tu as constaté ou tu as vraiment eu la preuve qu'il y a vraiment deux mondes spirituels? Parlant de ça. Non, ça... Moi, je dis toujours aux gens, personne sur Terre n'avance s'il ne touche pas à quelque chose. Ça, il faut qu'on arrête de se dire non, les gens sont athées, les gens ne croient en rien. C'est un mensonge. Tout le monde croit en quelque chose. C'est un mensonge. Et... plus on va s'approcher de certaines sphères, et plus on va se rendre compte que les gens ont des gris-gris, des rites. Certains le font de façon inconsciente. Certains sont pas, se disent pas, je pense, dans leur tête qu'ils font des rites sataniques. Mais il y en a qui vont, par exemple, embrasser quelque chose que la grand-mère a donné, ou se dire, ah non, il faut que je passe ça sous mon bras. Tu vois, des choses bizarres, où toi qui as l'esprit, tu sais que ça, c'est pas bon. C'est bizarre. Mais... de mon expérience, ma petite expérience, les gens qui sont là où ils sont, c'est parce qu'ils ont quelque chose qui les accompagne. Ils ne sont pas là-bas par hasard. Non, c'est impossible. Oh my God. Et donc ça, c'est quelque chose que tu as toi-même personnellement expérimenté. Oui, mais même moi, il y a des paliers financiers, des paliers de notoriété que j'ai acquis parce que j'allais de plus en plus en profondeur avec le Saint-Esprit. Wow, amen. Amen. Il y a des paliers des fois où j'étais bloquée, je disais, mais Seigneur, je ne comprends pas, pourquoi je n'avance pas? Il me disait, en fait, il faut une révélation différente, il faut une intimité différente, il faut une profondeur différente, parce que là où tu vas, il y a des personnes qui marchent avec une certaine puissance, et si toi tu arrives avec une puissance là, mais tu vas te faire happer par ces esprits, par ces dominations, et il faut dire le mot, des dominations qui sont là. Waouh. C'est bien de faire prendre conscience aux gens que derrière le succès, notoriété, etc., il y a quand même une réalité spirituelle qui est là. Et que parfois, en fait, effectivement, si tu n'es pas prêt, tu peux te faire aspirer, en fait, totalement. Alors, je ne te pose pas la question, mais je te la pose quand même. Quelle est la place de Dieu dans ta vie, dans ton succès, dans ta réussite? Mais la place centrale, la première place, c'est toute la place, j'ai envie de dire. Parce que je ne peux pas aller où je vais sans lui. C'est impossible. Et comme je dis, Christ, c'est ma passion, c'est ma peau, ma respiration, ma vie, c'est tout. J'ai toujours dit, Seigneur, si tu vois que je fais quelque chose qui n'est plus en toi, prends-moi tout. J'ai pas de problème à ne rien avoir à redescendre. Pourvu qu'on ne me retire pas Christ, en fait. Amen. C'est la base. C'est la base. Donc, le Seigneur m'a appris au fil du temps à me détacher des béquilles que j'avais pu mettre. Ça peut être, des fois, ça peut être un mentor. Hein. On peut se dire, ah ben tiens, je vais à chaque fois. Alors qu'on a aussi l'Esprit en nous. Ce que je veux dire, on est sur la Nouvelle Alliance. L'Esprit est en nous. Donc, oui, c'est bien les pères spirituels et les mentors. Moi, j'en ai. Mais l'Esprit prie. Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a toute la place dans ma vie. Honnêtement, les personnes qui me connaissent et qui verront l'émission savent que moi, même si tu es païen, je vais te dire, attends, j'ai pas entendu, je dois entendre. Je dois entendre le Saint-Esprit. Oh là là. Je veux dire, quel esprit doit lui parler avant qu'elle fasse. Oh mon Dieu. Est-ce qu'il y a des contrats que tu as dû refuser parce que tu ne te sentais pas spirituellement?
Ah ben oui, il y a des contrats et surtout lorsqu'on m'appelle à l'international, j'ai eu des propositions incroyables où ta chair grince parce que tu dis ah les chiffres là, les zéros derrière là. Dis-nous combien de zéros. Ben, j'ai déjà eu des propositions à 200 000 euros par exemple. Et tu as dit non. Oui, parce que le Seigneur me disait que derrière il y a quelque chose. Qui va me... Merci pour ton intégrité. Merci beaucoup. Mais attention, parce que les gens pensent que, ah oui, elle a dit non facilement. Non, la chair, là, va te parler. Là, c'est là qu'on va savoir si tu es réellement crucifié avec Jésus, si tu es réellement mort, si tu es réellement ressuscité. Oh, wow. Ah oui, un contrat, 200 000 euros, la personne, elle m'appelle, elle me dit, voilà, je dois faire ci, ça, ça. Si tu me fais ça, je te donne 200 000 euros cash. Et là, le Seigneur me dit, mais jamais, pas du tout. Pas du tout. Tu peux pas prendre ça. Et là, tu fais quoi? Tu jeûnes d'abord, tu pries. Ah, non, tu as essayé de négocier avec Dieu ou pas? Non, avant que je me casse le bec là, je négociais, j'étais dans des négociations tendues en disant ah mais Seigneur, je vais mettre quand même 20 000 euros de dîme. Voilà, tu commences à négocier avec la dîme. Tu dis Seigneur, je vais quand même te donner. Je vais semer. Tu commences à négocier. Mais moi, ce que je crois, c'est en Dieu bon. Amen. Et je crois que s'il me dit non, c'est qu'il voit un danger que je ne vois pas. C'est vrai. Amen. Donc je me dis, ok, 200 000 euros, mais il te préserve de quoi derrière? Peut-être un accident, une maladie, une mauvaise rencontre qui va te bousiller. Donc, ok, tu dis non, tu as tes raisons. C'est pas grave, ça fait mal des fois. Aïe, aïe, aïe. Tu te dis, ah là, ça aurait mis quand même. Mais bon, tu dis non, Seigneur, j'accepte. Même si mon cœur... Des fois, même si je ne comprends pas, parce qu'on ne comprend pas toutes les décisions de Dieu, il faut c'est se vrai. Le dire. Mmh. Se le dire. Mais tu as dit non. Wow. Merci beaucoup pour ta sagesse. On va juste marquer un temps de pause et on revient pour recevoir davantage de sagesse de la part de Rémi. À tout de suite. Bonjour, bonjour à toutes. Alors, quel conseil je pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Premièrement, c'est être sûr que Dieu t'appelle à être dans l'entrepreneuriat. Deuxièmement, il faut te former. Et oui, souvent on parle de l'entrepreneuriat, on pense que c'est quelque chose qui vient du jour au lendemain, mais il faut être formé parce que lorsqu'on commence une entreprise, il y a plusieurs casquettes qu'on doit avoir parce qu'il y a la comptabilité, il y a la communication, il y a le marketing, il y a plein de choses. Donc il faut vraiment se former. Il faut être aussi accompagné. Il vous faut les bonnes personnes qui vont vous accompagner parce que vous avez besoin non seulement de partenaires, vous aurez besoin aussi certainement d'un associé, c'est pas toujours obligatoire, mais vous aurez besoin d'un associé et vous avez besoin d'une équipe. Et quand je parle d'équipe, ce sont pas forcément des salariés, ce sont des personnes qui vont structurer le projet. Vous aurez besoin certainement d'un comptable, d'un avocat, peut-être pour faire vos statuts juridiques, pour faire vos contrats. Vous aurez besoin de personnes qui vont vous aider dans la communication, dans le marketing, dans le digital. Vous aurez besoin de personnes qui vont vous soutenir, vous épauler et pouvoir vous donner des conseils. Je donne toujours aussi comme conseil d'avoir un mentor. Le mentor, c'est celui qui ressemble à ce qu'on voudrait être. C'est celui qui a nos valeurs, qui est déjà là où on voudrait être. C'est aussi un leader. C'est celui qui va nous amener sur le chemin à atteindre l'objectif que l'on s'est mis. Il faut vraiment être accompagné dans l'entrepreneuriat parce que ceux qui réussissent sont accompagnés. Je donnerai aussi le conseil suivant qui est d'avoir un réseau. Il faut que vous puissiez avoir des personnes qui sont autour de vous, qui entreprennent, qui sont à votre niveau, qui sont aussi au-dessus de vous. Je donne toujours la règle du 33, 33, 33. Dans votre vie, vous avez besoin de 33% de personnes qui sont à votre niveau, 33% de personnes qui sont au-dessus de vous et 33% de personnes qui sont en dessous de vous. Et dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Vous avez besoin d'appliquer cette règle du 33, 33, 33. Besoin de personnes qui sont 33% de personnes qui sont plus loin que vous dans l'entrepreneuriat, 33% de personnes qui sont à votre niveau
et 33% de personnes qui sont en dessous au niveau de l'entrepreneuriat. Pourquoi ? Parce que les personnes, les 33% qui sont au-dessus de vous, elles vont vous tirer vers le haut. Elles vont vous donner ce que vous ne connaissez pas encore dans l'entrepreneuriat. Les 33% des personnes qui sont à votre niveau vont partager. Ça sera comme un cerveau collectif. Elles vont vous partager leurs défis, elles vont vous partager aussi des solutions et vous allez voir que vous allez créer un réseau de personnes qui sont à votre niveau entrepreneurial et ça va aussi vous rassurer. Et les 33% de personnes qui n'ont peut-être pas encore débuté ou peut-être pas encore de projet et qui sont hésitants, mais du coup, vous allez devenir les personnes qui vont leur donner un avis, qui vont leur donner des conseils et ça va vous affermir dans l'entrepreneuriat. Voilà le conseil que je peux vous donner sur les 33. Le réseau, c'est super important. Dites-vous, souvent on parle sur les réseaux de self-made, self-made millionnaire, self-made, etc., etc. On ne se fait pas seul. Ça, c'est une idée qui sort de je ne sais où, de dire qu'on est self-made, ce n'est pas vrai. Si vous voulez réussir, vous avez besoin d'être entouré. Nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Alors choisissez bien les personnes qui vont vous entourer pour pouvoir durer dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ce n'est pas un sprint, c'est une course de fond. Donc, il faut se ménager pour aller loin, pour être périn. Parce que le but, c'est de donner aux générations futures ce que l'on a bâti maintenant. Donc, plus vous serez accompagné, plus vous serez entouré et plus vous irez loin et plus vous irez sûrement. N'ayez pas peur de faire le premier pas et n'ayez pas peur d'aller lentement, doucement. Voilà, ce sont les conseils que je peux vous donner pour vous aider à passer le cap. Et surtout, travaillez votre confiance et votre estime de vous. Parce que la personne qui doit croire le plus en votre projet, c'est vous. La personne qui va représenter le mieux le projet, c'est vous. Donc, vous devez avoir l'assurance en le projet, mais l'assurance en vous. Parce que si vous devez plus tard avoir un investisseur ou un business angel, quelqu'un qui va venir investir de l'argent dans votre business. Si vous voulez monter, je ne sais pas, un salon de coiffure ou si vous avez un business qui nécessite de gros fonds, vous serez obligé de convaincre. Et comment vous allez pouvoir convaincre quelqu'un si vous-même, vous n'avez pas l'assurance assise en vous de qui vous êtes? Donc, travaillez votre estime de vous, travaillez votre confiance en vous et découvrez votre identité pleine grâce à Christ. Comme je le dis, son identité, on la trouve, assise vraiment dans le secret avec le Seigneur. Et faites du Seigneur un allié. Faites de lui votre associé. Faites de lui le CEO de votre boîte et vous verrez qu'il va vous rassurer, il va vous conduire, il va vous montrer la voie et il va vous attirer ce que j'appelle les connexions divines, les connexions de destinée qui seront dans les personnes que j'ai citées précédemment, qui seront les associés, qui seront les mentors, qui seront aussi les personnes qui vont vous ouvrir des portes, qui ne seront pas toujours chrétiennes, qui ne seront pas toujours du même courant spirituel que vous, mais ce sont des personnes que Dieu va envoyer et vous devez avoir le discernement pour les reconnaître. Pour entreprendre, vous avez besoin d'un grand discernement parce que beaucoup d'opportunités vont se présenter à vous, mais vous devez vraiment apprendre à discerner avec l'aide de l'Esprit de Dieu, à savoir quelles sont les opportunités que je dois prendre et quelles sont celles que je dois laisser de côté. Voilà, je vous ai donné mes secrets de réussite et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!
Merci à vous qui nous regardez. Donc, on revient hein, parce que voilà, Aurélie, elle a beaucoup de sagesse à nous donner. Je vous ai dit qu'elle coach des femmes, elle les accompagne dans l'entrepreneuriat. Vraiment, elle évolue dans ce milieu-là. Et aujourd'hui, j'ai envie de lui poser en fait cette question. Voilà, quel a été son plus grand défi ? Aurélie, quel a été ton plus grand défi en tant que femme entrepreneur ici en France ? Alors, mon plus grand défi, ça a été de ne pas être prise au sérieux. Parce que souvent, les gens se disent « Oh bon, un énième truc de femme, une énième plateforme pour les femmes, une énième femme qui veut monter un mouvement. » Voilà, les gens se disent « Bon, c'est répétitif parce que ça existe déjà, bon, c'est encore une femme. » Puis, il faut savoir qu'on est dans un milieu qui est très… Il y a beaucoup de testostérone. Voilà. Donc, quand t'arrives, bon… te prends pas au sérieux. Ça a été vraiment mon plus grand défi, c'est d'être prise au sérieux, de se dire non, ce qu'elle fait, ça a un but et ce but-là dépasse des citations de motivation c'est sur ça. Instagram. C'est ça. Voilà, c'est ça a été ça mon plus grand défi. Et je crois même que pour toutes les femmes qui créent, enfin la majorité, celles que je connais, qui créent des plateformes de ce type-là, il y a quand même une volonté derrière en fait à vouloir toucher et transformer réellement les vies. C'est dommage qu'il y ait des gens qui pensent encore une énième plateforme. C'est dommage parce qu'il y a de vraies personnes qui sont derrière aussi, qui sont transformées et qui sont changées. Alors, est-ce que tu n'accompagnes que des femmes ou... Alors, au sein de la plateforme Femmes Libères Ton Potentiel, je n'accompagne que des femmes. Mais derrière, j'ai une business school qui s'appelle ESBL, dont on ne parle pas beaucoup parce qu'elle est moins exposée. Mais au sein de cette plateforme, de cette école, pardon, on accompagne les hommes et les femmes. Très bien. Il n'y a que FLT. Mais il y a quand même une question là qui me taraude. Hein, ce n'était pas prévu du tout, mais la question vient. Mais alors, comment est-ce que tu as fait ? Parce que tout à l'heure, tu as dit que toi, tu es diplômée en biochimie. Comment une diplômée en biochimie va maintenant coacher en entrepreneuriat ? J'ai besoin de comprendre. Bon, il y a tout un parcours. Hein. Je ne suis pas arrivée là d'un coup parce que j'ai arrêté en 2012. Et là, on est en 2022, donc il y a quand même il y a un parcours. J'ai ouvert ma première société, j'aidais les infirmières à passer les tests psychotechniques. Ah, les personnes qui voulaient rentrer en IFSI, je les aidais à passer le concours pour devenir infirmière. Oui. Donc, c'était quand même un peu en lien avec les études que j'avais faites quand même. Voilà, donc tu t'es laissée conduire au fil du temps. Exactement, donc ça, c'était la première. C'était une prépa, voilà. J'avais une école préparatoire à l'IFSI, au concours IFSI. Et c'est au sein de cette école préparatoire, quand j'ai ouvert, que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème pour l'entrepreneuriat féminin. Et c'est là où j'ai ouvert Femmes Libères Ton Potentiel. Et est-ce que le long, avant que toi-même tu n'arrives là, tu t'es fait former, tu as pris des formations, qu'est-ce que tu as fait ? Ah, bien sûr, je me suis fait former. J'ai payé des formations en France, aux États-Unis aussi. J'ai un mentor dans les affaires. J'ai fait beaucoup de séminaires. Et est-ce que je tiens à dire aux femmes, parce que je crois que les femmes de la plateforme sont principalement chrétiennes, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir des mentors qui ne sont pas chrétiens. Qui ne sont pas chrétiens. À condition de savoir jusqu'où on va écouter ce qu'ils disent. Tout à fait. Tout simplement. Tout à Il y a fait. Des choses qui vont dire, on va se dire, non, mais là, non, c'est pas, ça, c'est pas moi. Je prends ce qui est de bon et ce qui n'est pas de bon, je laisse de côté. Parce qu'il y a des personnes, moi, mon mentor, il n'est pas chrétien, mais il m'a mis en connexion avec des personnes incroyables et il m'a vraiment accélérer le chemin parce qu'il me disait ça va pas fonctionner, ne fais pas ça, ça fonctionne, ça va. Donc j'ai gagné du temps à ses côtés. Waouh, merci beaucoup pour vraiment toutes ces réponses. Et je sais de toute façon que tu vas revenir encore parce qu'il y a tellement de choses à découvrir à ton sujet. On veut tellement bénéficier en fait de ta sagesse et puis de ton humilité, hein, vraiment. Parce que ça, c'est vraiment ce que je ressens là en discutant avec toi. Et on est vraiment bénis, hein, n'est-ce pas? On est bénis. On est bénis sur ce plateau. Et voilà, donc j'aimerais que tu puisses peut-être encourager une femme là qui veut entreprendre mais qui se sent encore coincée. Comment est-ce que je fais pour libérer mon potentiel? Alors, à une femme qui veut libérer son potentiel, je lui dirais d'abord d'apprendre à connaître son identité. Amen. Parce que c'est bien l'entrepreneuriat, tout ça, mais il faut connaître son identité. Qui es-tu ? Parce qu'à des moments dans la vie, les obstacles, les personnes, la vie va te demander qui tu es. Il faut savoir répondre avec une identité profonde. Wow. Donc, apprenez à savoir qui vous êtes. Et pas
par rapport à ce que les gens disent de vous. Ce que mon père, ma sœur, mon frère, mes amis, mes collègues, mais qui moi je suis. Très bien. Et ça, on le découvre dans la présence du Seigneur. Amen. Tout simplement. Amen. Tout simplement. Amen. La Bible dit bien, dès le sein de ta mère, je t'avais établi prophète des nations. Donc c'est ce que je dis aux gens, c'est Dieu qui connaît ton identité. Tu n'as pas besoin de monter, descendre, aller partout. Reste dans le lieu secret, dans la présence de Dieu. Il va te montrer, il va te restaurer, il va te guérir. Mmh. Et il va t'apprendre à prendre le bon chemin, à te déployer. Ça, amen, c'est la base. Waouh! Et quelle base! Et quelle base importante! Merci beaucoup, Aurélie, merci. J'aimerais qu'on puisse prier pour les femmes qui nous regardent. Je vais juste prier un instant. Je déclare au nom de Jésus à toutes celles qui regardent cette émission maintenant que l'onction, l'Esprit de Dieu descend sur vous maintenant et vous donne une intelligence particulière, qu'il ouvre votre intelligence, qu'il ouvre votre sagesse pour que vous puissiez aller le plus loin possible au nom de Jésus. Je déclare qu'une femme se découvre son identité et réussit véritablement à libérer, à exprimer son potentiel, à marquer ce monde d'un sceau, à marquer ce monde de l'esprit qu'il a reçu au nom puissant de Jésus. Je te bénis, Seigneur, pour ta fidélité dans la vie de celles qui nous regardent aujourd'hui. Amen. Amen. Aurélie, encore merci. J'ai envie de te dire à merci, bientôt. Merci, Pasteur Grace. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. C'était un honneur pour moi. Yes. Merci à vous toutes qui avez regardé cette émission. Surtout, n'oubliez pas de soutenir Évangile TV pour que nous puissions davantage impacter des vies. Alors, regardez juste en dessous du player. Soutenez-nous et mettez des cœurs. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé ce programme, vous pouvez soutenir la chaîne Évangile TV en envoyant votre don par PayPal ou par virement.